vas avoir du diabète à chier. Mais oui, mais c'est trop. Oui, mais c'est trop. C'est trop. Oui, mais c'est trop. Oula. Est-ce que je suis en train de prendre celui du 25? Je ne sais pas. C'était vraiment... Mais purée, pourquoi c'est énorme comme ça? Agile! Attends, il y en a encore un en F6. Oui, mais tu vas avoir du diabète. C'est pas possible. Tu choisis alors, tu veux lesquels? Ça. Ok, attends. Choisis. Ça ou ça? Tu veux les trois? Il va y avoir un problème. Lequel? Celui-là? Celui-là? Bon, comme t'as très faim aujourd'hui et que t'as attendu longtemps, on va te donner le grand. Oui! Attends, faut que je l'ouvre. Bonjour. Je viens de faire ma meilleure sieste. Comment ça se voit? Je trouve que ma coupe est incroyable. Avant-gardiste. Il est 15h et j'ai bien dormi cette nuit, mais oui, j'ai redormi, j'ai fait la sieste parce que au bout de ma vie, je suis mon sapin, c'est le plus beau de l'univers. Bref, je viens juste ouvrir les calendriers avec vous parce que là, j'ai faim du coup. Je vais me choisir un thé et je vais me choisir des petites confitures pour manger avec mes petites tartines. Oui, à 15h, oui. Donc le thé. Déjà, on est le 6. Oui, on est le 6. Alors, le 6, ici présent, c'était du thé à la licorice peppermint, donc menthe poivrée et réglisse. On va laisser ça pour les invités. Genre. Quand il y a des gens qui viennent chez nous, on est là, oh, on a plein de thés différents à la réglisse et tout. Non. Celui du numéro 3, là je vois le numéro 3. Et donc, c'est donc un thé matcha, thé vert matcha clean. Ah, ça c'est pas mal. Peut-être que celui-là a gagné, je sais pas encore. Thé numéro 5, ici présent. Ils sont trop beaux. Vas-y. Trois fenouilles. Ce sera pour les invités. Le numéro 4. Il a l'air beau celui-là. Camomille vanille. Alors oui. Camomille vanille et miel de Manuka. Alors attendez. Ok, pour l'instant c'est les deux concurrents pour l'instant. Je les ai tous sortis d'ailleurs. Je sais pas. Voilà, numéro 4. Ok, je les ai tous pris. Soit celui. Non, pas lui. Celui. Mais je vais prendre celui à la vanille. Hein. Camomille, vanille, miel, ouais. Je vais manger mes chocolats parce que. Bah, c'est comme ça. C'est la vie. Sérotonine. Et donc là, je vois qu'il y a le numéro 4. Donc je sais que je peux le prendre. Et donc je vais le prendre. Oh, oh, c'est un trèfle à quatre feuilles. Oui, bonne chance en cette journée magnifique. Je. Oui, trop bon le chocolat Lidl. Hein, je sais pas. Je sais pas qui a dit que c'était pas bon, mais c'est trop bon. Le numéro 2. Dire que haché, je lui ai ouvert son calendrier, je lui en ai donné qu'un seul. Et moi, je vais manger tous mes chocolats dans le plus grand des calmes. Oh, c'est un petit nounours avec un petit sapin. Il est trop beau. Et oui, je vais tous les manger d'un coup. Parce que moi aussi, je vais avoir du diabète, mais moi, j'ai le droit. Il est trop bon ce chocolat, ma vie.
En plus, les dessins sont différents. Franchement, Lidl, la meilleure chose. C'est tout. Ah, trop beau. C'est une petite bougie de Noël. Vous voyez peut-être pas trop. Du coup, je vais le manger et je vais vous montrer. Comme ça. Voilà. Petite bougie de Noël et tout et tout. De la haute gastronomie, je suis désolée. C'est trop bon. J'ai trouvé le 3. C'est trop bien. C'est trop bien d'en avoir plusieurs à ouvrir d'un coup. Parce que personnellement, c'est comme ça que je mange le chocolat. Je binge le chocolat. Donc un par jour, c'était n'importe quoi hein, quand même. La petite botte du Père Noël. Incroyable. Et le 6. On est bien à 6, hein, je sais pas, mais j'ai faim. Oh, c'est genre un petit beurre avec une amande au milieu. J'ai pas compris le principe. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est un genre de petit beurre avec une amande. Je sais pas, mais ouais. Si vous voulez. Ensuite, petit calendrier Bonne Maman. La Bonne Maman. C'est hyper beau, il est hyper beau celui-là, il est hyper gros par contre. Alors, qu'est-ce qu'on va manger avec... Il faut que je m'achète un toaster, vous êtes ravis, mais sur Amazon il faut que je me commande un toaster parce que j'en ai pas. Un grille-pain même, ça s'appelle. Parce que je grille mon pain au four et ça va pas. J'ai trouvé le numéro 3, donc c'est parti. C'est un gâteau incroyable. Qui c'est qui m'avait dit ça? Prenez le temps d'être gourmand, il y a écrit. C'est hyper beau. Attendez, je vais vous filmer ça. Regardez, c'est un petit pingouin et c'est un petit gâteau. Je crois que c'est mon papa qui m'avait dit quoi. Il y a que des confitures et il y a même pas des petits gâteaux ou des petits trucs comme ça. Bah alors papa, que nenni ma foi. Il y a des petits gâteaux. Je sais pas, il a quoi. Je sais pas. Ah, est-ce que je le garde pour mon papa parce qu'il aime trop les petits gâteaux Bonne Maman? Ou est-ce que je le mange? Être égoïste ou non? Je ne sais point. Je sais pas encore. J'ai pas encore décidé. Mais j'ai faim donc bon. Je pense que l'égoïsme va ressortir. Numéro 6. Ah, mais il y a vraiment plein de trucs différents cette fois-ci. Parce qu'en fait, moi, celui de l'année dernière, je l'avais vu sur une chaîne d'une anglaise. Et il n'y avait que des petites confitures dedans. Alors que là, on a du thé au purée peut-être qui va rivaliser avec celui d'aujourd'hui. Infusion, bonne journée. Mais je sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, ils rivalisent pas. Mais c'est bien pour le matin. Purée, ils ont mis des trucs différents. C'est bien. Interesting. Le numéro 2. Bon, peut-être que j'aurai de la confiture un jour par contre. Ah, de la confiture. Pamplemousse et fruits du dragon. Oh, incroyable. Oh, j'adore ce bruit. C'est hyper frais. Ça sent trop bon. Le 4. Abricot à la bergamote. Ah, ça je vais aimer. I think. Je pense que je vais apprécier. Écoutez le bruit. Incroyable. Je crois que c'est celui-là qui a gagné. C'est celui-là qu'on va manger aujourd'hui, je pense. Et est-ce que j'ai tout ouvert? J'ai fait 1, 2... 3, 4, 6, il manque le 5. Oh, un haut marron. Oh là là. Encore un rival. Marron et orange aux épices de Noël. Alors là.
Alors là. Là, 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 là. Ouais, bah c'est bon, il a gagné. Allez. Désolée pour les abricots. En plus, être égoïste ou pas, ma maman, elle adore déjà les confitures bonne maman. Et les confitures au marron. Et elle adore les confitures aux abricots aussi. Donc, bref. Va falloir que je. Oh, je pourrais faire les deux. Je vais me faire deux tartines avec les deux. Waouh, incroyable. Ça va être trop bien. C'était l'ouverture des calendriers. Et donc, sur ce, je vais manger. Ouais, enfin. Jamais il n'y a plus de confiture au marron, c'est parce que ma maman est en train de la manger à la cuillère. C'est bon donc. Très bon. Ok, j'ai mangé, ça va mieux. Voilà, je me suis coiffée, mais on voit pas la différence entre quand je suis coiffée et quand je suis pas coiffée. Je vais attacher mes cheveux. Incroyable. Magnifique. Fantastique. J'ai des colis et donc je vais ouvrir les 10 colis. Oh purée, je viens de me rappeler d'un truc. C'est pas le tout, mais il faut que je fasse vos commandes. Pour les gens qui m'ont commandé le marque-page de Noël. Je vais faire ça après. Je suis vraiment épuisée. Mais je promets, je vais les faire. Je vais emballer vos commandes. Oui, oui. Alors, là, on a un colis de la part de Flammarion. Et donc, je pense que c'est de la part de J'ai lu, des éditions J'ai lu. Et ils ont dit qu'ils nous offraient une petite surprise en cette fin d'année. Et donc, du coup, je sais pas ce que c'est, vu que c'est une surprise. Je ne sais point. Qu'est-ce donc? Oh. Oh. Donc on a un colis avec du bubule. Du bubule, du bubule, du bubule. On a. Ah, c'est le. C'est Serpentine Dove, mais en poche chez J'ai lu. Donc le voici, le voilà. Et j'aime trop les poches de chez J'ai lu, ils sont très 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 floppy et c'est très cool. Et avec, on a ce petit cracker surprise à croquer de chez Maison Colibri. Ok, je sais pas du tout ce que c'est, il y a écrit quoi? Il n'y a pas écrit ce que c'est. Zut. Bonjour, à l'occasion des fêtes de fin d'année, nous sommes ravis de t'envoyer ce coffret qui, nous l'espérons, ravira tes papilles. Pour t'accompagner dans ta lecture de Serpent and Dove, tu trouveras de délicieuses madeleines de la Maison Colibri. Moi, j'ai pas eu les madeleines, les gars.
sniffe. Ouah, j'ai pas eu les madeleines. J'ai vu que les... Ah oui, mais c'est Kimi qui a reçu ça aussi. Elle a reçu les madeleines. Comment ça, moi, c'est la poste qui a mangé mes madeleines? Trop déçue. Très bonne lecture et bon appétit. J'ai pas les madeleines. Ah, c'est... elles sont là-dedans. Je suis fatiguée. Parce que Kimi, elle avait montré le colis et il y avait les madeleines dans le colis. Et en fait, c'est juste qu'il faut ouvrir les dites madeleines pour avoir les madeleines. Ah bah oui, si, oui, voilà, voilà. C'est des madeleines. Incroyable, j'aime trop les madeleines, par contre. Bon. Trop contente. J'ai envie d'en manger une maintenant. Je viens de manger mon petit déjeuner. Oh, trop bien. Trop cool. Donc si, en fait, j'ai eu les madeleines. Je suis pas réveillée. Donc merci aux éditions. J'ai lu. C'est trop cool. C'est trop mince. J'ai trop hâte. J'ai pas encore lu, du coup. Serpentine Dove. Et donc... j'ai hâte. C'est l'histoire d'une sorcière et d'un chasseur de sorcières qui sont obligés de se marier. Mariage arrangé, donc ça a l'air trop bien. Mon colis de manga, donc je vais ouvrir mes mangas. Mais avant cela, j'ai une Illumicrate aussi. Que c'est les commandes que j'achète. En fait, tout ça, j'achète. C'est des box auxquelles je suis abonnée. Et ça, Illumicrate, c'est leur box spéciale romance. Et donc voilà. Qui s'appelle la box Afterlight. Au début, ils nous l'envoyaient tous les 4 mois, je crois. Et là, ils vont nous l'envoyer tous les 2 mois, je pense, cette année. Ils ont dit qu'ils changeaient. Et donc... Oh, des saucettes. Des saucettes bonhomme de neige. Trop bien. C'est des saucettes bonhomme de neige. Vous allez les voir dans les vlogmas. Je vous le dis, je vais mettre ça toute ma vie. Elles sont incroyables. Donc déjà, incroyable, merci. Merci à vous, la box que j'ai payée. Et... Ah, c'est ça le bouquin. Est-ce que le bouquin, ce serait The Christmas Wish? Oh, j'en ai entendu parler en plus de ce bouquin. Donc, je sais pas si c'est lui. Mais en tout cas, on a une petite enveloppe avec dedans. C'est le thème de Noël, décembre, là. Oui, merci. C'est bien la box de décembre? Ah non, novembre. C'est celle de novembre, mais comme il ne doit pas y avoir décembre, ils ont fait thème décembre et vraiment ma vie. Oh, c'est un ornement, je vais pouvoir le mettre sur mon sapin. Incroyable, il est trop beau. C'est un flocon. Oups. C'est un flocon de neige, magnifique. Je vais le mettre sur mon sapin. Et en plus, j'ai un sapin. Incroyable, incroyable. Cette box, incroyable. J'aime trop. Comment ça, il y a 2 filles? Comment ça, il y a 2 filles et il y a des livres et il y a... Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui se passe, mais j'adore. Je vais l'accrocher sur mes murs. Ouais. Ouais, 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 ouais. C'est du coup un mot de l'autrice, l'autrice du livre. Et donc le livre. Donc du coup, c'est peut-être pas ce livre-là. Ça, c'est peut-être une pub, un marque-page. Je crois pas que ce soit celui-là, le livre. Peut-être que c'est... plus un livre saphique. Mon dieu. Oh mon dieu, l'esprit des jeans rouges Noël. Oh, il est trop beau. Il est trop beau. Ah, ah oui, bonsoir. Donc c'est Make You Mine This Christmas. Oh purée, c'est saphique, je vais mourir. Regardez, les 2 filles, elles se tiennent la main. Et elle fait semblant d'avoir un boyfriend MDR. Donc c'est de Lizzie Huxley-Jones. Il me semble que j'ai déjà entendu parler de cette autrice. Il y a des flocons de neige partout. C'est incroyable. Je vais vraiment canner. Je vais vraiment cacaner. Oh, incroyable. Oh, incroyable. C'est trop beau. C'est trop beau. Je vais le lire maintenant. J'ai un autre livre que j'ai envie de lire maintenant. C'est celui que j'ai acheté chez Bookmark, là je vais le commencer. Le prince des signes là, enfin le prince signe, je sais pas quoi. Mais c'est sûr qu'après je lis celui-là, c'est sûr.
Incroyable, une romance FF de Noël. Ok, donc c'est une jeune femme qui s'appelle Raff et qui va à une fête de Noël et qui en fait au final se retrouve à embrasser un jeune homme qui s'appelle Christopher à cette fête de Noël pour rendre jalouse l'ex de Christopher. Voilà, Christopher il a une ex qui est chiante et je sais pas quoi. Et donc du coup Raff l'embrasse. Et en fait, ça fait tout un truc sur les réseaux où ça devient viral, etc. Et où tout le monde dit qu'ils sont ensemble et que c'est un beau petit couple et machin. Et donc, Christopher, il va demander à Raff de venir avec lui pour Noël chez ses parents pour fêter Noël. Parce que il a pas envie de dire qu'en fait ils sont pas ensemble. Et donc ils vont faire semblant d'être ensemble pour Noël, sauf que Raff elle va arriver là-bas et elle va rencontrer Kit qui est la sœur de Christopher et qui est incroyable et elles vont tomber amoureuses et donc... trop hâte. Oh mon dieu, c'est incroyable. C'est trop bien. Je vais mettre mes petites chaussettes et je vais lire ça, ça va être trop bien. Regardez comme elles sont belles. Et en plus, apparemment, elles aiment les livres. Oh là là! Je suis au bout de ma vie! C'était trop bien. Trop bien, cette boxing crate. Trop bien. On reste dans le gay et le LGBT. Et voici mes mangas yaoi, oui! Pareil, c'est un abonnement de la maison d'édition Boys Love. IDP, donc Anna Edition, ils ont plein de noms, ça suffit. Ah oui, on m'a dit à chaque fois que je dis Anna sans dire le H, ça veut dire autre chose. Et donc je vais bien sûr continuer à dire Anna sans prononcer le H au début, parce que c'est très drôle. ça me fait beaucoup rire, parce que ça a bien rapport avec... le thème des mangas. Donc voici mes mangas. Ouh, pareil, c'est un abonnement auquel je suis inscrite. Je paye 20€ tous les mois et je reçois tous les deux mois 10 mangas qui sont normalement à 8€. Donc normalement les calculs sont bons. Les calculs sont sympas. Et je pense que je vais avoir envie d'en lire. J'ai trop envie de lire des mangas là. Le problème c'est que voilà, j'ai envie de lire le livre là, Saphic là, j'ai envie de lire le livre que j'ai acheté chez Bookmark et j'ai envie de lire des mangas. Help. Comment je vais faire? J'arrive pas à commencer plusieurs livres en même temps parce qu'après après j'en laisse toujours un de côté et bref. Des ex-libris, oh mon dieu, le retour. J'ai déjà les autres tomes. Le retour de Zombie Hide Sex. J'ai trop hâte. C'est littéralement ce à quoi ça a l'air. C'est pas une phrase. Ça a l'air d'être quelque chose, et bah c'est ça. C'est une dystopie avec une attaque de zombies. Et ils doivent hide, donc se cacher. Et il y a du sexe. C'est trop drôle. Oh mon dieu, trop mime ça. Regardez. C'est notre belle cathédrale Notre-Dame avec le pape hein, et avec des petits gens mignons, je sais pas qui c'est. L'échappée belle, notre voyage autour du monde. Trop bien. Pardon, c'est trop mimes. J'adore le François, il y a écrit dessus. J'adore le François. Trop bien. J'ai trop hâte, j'espère qu'il est dans la box. Alors, oh là déjà il y a un petit chien. Je sais pas qui que quoi dans où, mais il y a un petit chien donc je vais canner. Ah oui, c'est Hiroti Hime. Je peux pas le prononcer. Hitori Hime, My Hero. Et donc c'est le tome 42, je les ai tous les tomes. Ceux qui sont. Qui s'y connaissent en matière de manga yaoi, est-ce que ça se lit à part? Parce que je me souviens que j'avais lu le tome 1 et que j'avais été confuse parce que je voyais bien que c'était un spin-off, qu'il y avait d'autres couples. Et qu'il y avait autre chose, j'étais confuse. Est-ce que je peux lire cette saga toute seule? Est-ce que je vais finir par comprendre au fur et à mesure des tomes? Ou est-ce que je dois, je sais pas, regarder un animé ou faire un truc avant? Dites-moi. Parce qu'il y a apparemment des chiens et donc je veux mon neveu. Ensuite,
vraiment, vraiment un mood. Un gros gros mood, je sais pas, on est dans les étoiles. Et incroyable. Et ah bah c'est encore... À chaque fois je les prends à l'envers. C'est le tome 9 du coup de Itorime My Hero. Purée, le chien, je vais canner. Je veux trop les lire. Dites-moi si je peux les lire comme ça. Parce que là, je veux trop les lire. C'est incroyable. Trop bien. Le rossignol rêve de printemps de Nago Nayuta. Ok. Ça a l'air d'être un bad boy. Bonsoir. Pourquoi il s'est fait taper par qui? Qu'est-ce qui se passe? Il s'est fait taper, il a l'air content ce monsieur. Donc, la tradition du lycée, vaincre les élèves de terminale à la baston. Le plaisir est pour moi. Parmi les... Ah oui, au fait, si vous n'êtes pas habitué à ces résumés de ces mangas Boys Love, les résumés sont très loufoques et donc c'est très drôle. Parmi les élèves de première, les meilleurs dans cette catégorie s'y donnent à cœur joie. Ça tombe bien, Haruka aime se battre, mais ne rencontre aucun adversaire à sa hauteur. L'ennui total. Moi, non, je rigole. Je ne me bats pas. Arrivé en terminale, il rencontre la légende vivante de son lycée, Narumi. Employé comme professeur, il était lui-même élève ici et est connu pour être resté invaincu à son époque. Haruka a trouvé une nouvelle obsession, se battre contre son professeur. Ce qui va amener à une certaine proximité. Mais... Entre l'élève nonchalant et le professeur au regard glacial, l'amour s'exprime avec les poings. Y'a rien qui va. Y'a rien qui va. Vraiment, ça y est, les mangaka ont trouvé un autre level de problématique à romantiser. Où trouver ces idées, vraiment? D'où ça sort, ce genre d'idées? Genre la compétition au lycée, c'est de se taper dessus. Et on va faire revenir un professeur. Donc déjà, c'est la romance prof-élève tabou machin. Mais en plus, il se tape dessus. Parce qu'on sait jamais si jamais vous avez cru que c'était mignon. Non, non, c'est les mangaka. Donc, les mangaka, en général, mangaka, c'est un auteur ou une autrice de manga. Ils adorent tout ce qui est tabou, tout ce qui est... problématiques, etc. Moi de même. Et donc là, on a un nouveau level de problématie. C'est très bien. C'est incroyable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est incroyable. Le titre hystérique, mais à croquer. Moi. Really. Moi. Donc de Yao Sakumoto. Ils ont l'air... très mignons, ils ont l'air très drôles. Il y a bien des histoires où on tombe amoureux de la personne après être sorti avec, non? Oh, trop bien, c'est un fake dating. Fujie, un étudiant un peu trop sérieux, a un problème. Son meilleur ami... Oh non, c'est un best friend to lovers. Je vais canner. Son meilleur ami Yoshida n'arrête pas de traîner avec un autre garçon. Haruki est pourtant séducteur, volage, et les rumeurs disent même qu'il est gay. Les rumeurs. À cause de leur proximité, toute l'université pense qu'ils sortent ensemble. Mais lorsque Fujie leur fait part de la rumeur, les deux garçons lui rient au nez. Si Yoshida est aussi proche d'Oshima, ce serait pour lui demander des conseils sur sa vie amoureuse et pourquoi ne pas lui avoir demandé à lui. Je vous jure, c'est résumé. C'est pas parce que c'est moi qui lis d'une manière monotone, mais c'est parce que ça n'a aucun sens. Une rivalité s'installe donc entre Oshima et Fujie. Donc on a ce monsieur qui a son meilleur ami. Son meilleur ami commence à beaucoup traîner avec Oshima. Et Fujie, il est jaloux. Il est en mode pourquoi il traîne avec quelqu'un d'autre. Et donc Fujie et le nouveau gars avec qui son meilleur ami traîne vont... développer une rivalité, mais la bonne volonté de Oshima risque de le faire craquer tôt ou tard. Alors du coup, c'est qui va sortir avec qui? C'est les meilleurs amis ou c'est l'autre qui est avec son meilleur... Attendez, je vais vous dire. Ok, donc j'ai cru que c'était Fujie qui allait sortir avec... Enfin, qui est amoureux de son meilleur ami, ce qui est sans doute le cas, mais bref. Mais en fait, donc c'est lui, Fujie,
qui a un meilleur pote qui commence à traîner avec lui un peu trop, et il va être vexé que son meilleur pote traîne toujours avec lui, et en fait ils vont finir ensemble. Apparemment, si j'ai bien compris, si j'ai bien compris. Mais faites des résumés plus faciles à comprendre s'il vous plaît. Oh, Blue Sky Complex, à chaque fois je les revends parce que j'ai pas le début. Et ça c'est le tome 7. J'aime trop les couvertures à chaque fois. Mais j'ai toujours pas le début et je sais toujours pas de quoi ça parle. Là ça parle de coming out parce qu'on est au tome 7. J'imagine. Mais j'ai pas le début. Bonsoir messieurs. Le titre, j'arrive pas à lire le titre, donc je sais pas, je vais regarder sur le côté, mais déjà bonsoir. Love me, love my dog. C'est moi. If you love me, love my dog. Love me, love my dog. I just wanna be a dog. Let's play forever, I just wanna be a dog. C'est qui avait fait la chanson I just wanna be a dog? Est-ce que c'est TXT? Parce que Lola, elle me fait découvrir des groupes de K-pop. Et je me rappelle plus qui est-ce qui a fait la chanson Cats and Dogs, mais si vous connaissez, c'est très drôle. L'auteur Akihiko se voit confier aux bons soins de l'éditeur débutant Aishiro. Akihiko cache sa vie dissolue à ce jeune homme sérieux jusqu'au jour où ce dernier le surprend au lit avec un homme. Comme ça, sa vie dissolue juste parce qu'il est gay, bref. Ai le prend alors au dépourvu en lui déclarant sa flamme. Pour tenter de lui remettre les idées en place, Akihiko couche avec lui. Oui, comme ça, ça lui remettra les idées en place. Pensant qu'il se rebellerait. Ouais, les yaoi, on adore le consentement. À chaque fois, il y a des scènes olé-olé, ils attendent qu'il y en ait un qui soit pas consentant. Mais le jeune homme décide de prendre ses responsabilités vis-à-vis de lui. Trois petits points. Littéralement, le résumé n'a aucun sens. Comme d'habitude. J'en veux plus. Donc c'est un auteur et un éditeur, voilà, dites ce qu'il faut dire, arrêtez de faire des résumés, je vous jure les résumés. Trop bien, ça parle de livres. Et trop bien. Incroyable. Je vous ai pas montré les dessins jusqu'à maintenant parce que... Mais vous savez, les scènes olé olé. J'ai plus de batterie, ouais, donc je crois que j'ai plus de batterie, genre vraiment plus. J'ai pas rechargé mes batteries depuis Paris. Ok, donc 4 batteries et pas une de rechargée. Voilà, donc du coup je suis en train de les faire recharger. Là j'ai un petit peu de batterie pour finir mon unboxing de manga, mais j'en ai profité pour défaire ma valise parce que vous-même vous savez, l'année dernière si vous avez vu mes vlogmas, je suis partie le 3-4, un truc comme ça, et je défaisais mes valises genre le 15. Donc voilà, j'ai du mal à défaire mes valises à chaque fois, donc bref. J'ai fait ça. On en est avec les mangas. Alors là, j'ai deux mangas qui vont ensemble. Le tome 1 et le tome 2. Ah, c'est ceux de Lex Libris. Purée, je viens de me couper avec un manga. Les risques du métier. Trop bien. C'est celui que j'aime bien, là. C'est notre voyage autour du monde, je sais pas quoi. C'est quoi L'échappée belle, notre voyage autour du monde. Voilà, de Monet Sorail. Et incroyable, il est trop beau. Ils sont trop beaux. Regardez. Bon, par contre, les valises, ça me trigger parce que plus jamais je porte de valises. J'en veux plus. Mais trop bien, c'est le tome 1 et le tome 2. Je sais pas si c'est fini en deux tomes. En tout cas, résumé du tome 1. Embarquement immédiat pour le Boys Love qui fera voyager votre esprit et vos papilles. Oh, trop bien. Asahi et Mitsuki, un couple homosexuel aux personnalités bien différentes, se lancent dans un tour du monde avec la promesse de se marier à la fin de leur voyage. S'ils doivent traverser des épreuves, celles-ci ne sont rien à côté des belles rencontres et des découvertes qu'ils feront dans ces pays qui leur sont encore inconnus. Trop bien! On dit souvent qu'un voyage permet de changer sa perception du monde, mais qui sait, peut-être qu'il pourrait aussi transformer leur vision de l'amour. Trop bien. C'est pas possible, ça a l'air génial. Ça a l'air trop bien. C'est incroyable. J'aime trop. J'ai trop... Oh, il y a des scènes olé-olé. Bonjour messieurs, dames... Enfin messieurs, du coup. Messieurs, ça a l'air trop bien.
C'est vraiment trop cool. J'ai trop hâte. Voilà. Ou bien là, il y a un chien. Oh purée, ils vont voir les aurores boréales avec un chien des neiges. Non, non, c'est pas possible, je vais canner. En Finlande, ok, ouais, c'est bon. Canner, je vais. Trop bien. Incroyable ce manga, j'ai trop trop hâte. Le tome 6 de Ten Dance, pareil, j'avais pas le début. Il me semble que je les ai revendus. C'est une série qui date, qui parle de danse. Vous aurez, voilà, vous aurez remarqué. J'adore les dessins, vraiment, je trouve qu'ils sont hyper sophistiqués et détaillés et incroyables. Mais j'avais pas le début de la série et donc du coup, il me semble que je les ai revendus parce que j'en avais eu 2-3 dans ma box et j'ai pas du tout le début. Donc voilà, et puis on a... Ouh, ça a l'air mignon ça encore. Qu'est-ce donc? Des détectives au poil, trop bien, de Noji. Ah, Noji, ça me dit quelque chose, je crois que j'ai déjà lu des œuvres de cette mangaka, je pense. Alors, Ro, un assistant brillant, travaille dans l'agence de détective Sako. Malgré son air menaçant et ses cheveux roses... Incroyable. Il est adoré des animaux de compagnie et est la meilleure personne pour les retrouver en cas de disparition. Je vais pleurer. C'est quoi cette agence de détective qui retrouve des animaux? Et surtout, il est fou amoureux de Fumika, son patron. Trop bien. Ro travaille d'arrache-pied pour soutenir Fumi à résoudre ses enquêtes. C'est vraiment écrit ça. Pour aider, non, peut-être. Enfin, bref. Mais ne perd aucune occasion pour tenter de le faire chavirer. Trop mignon. Ça parle d'animaux, des détectives qui retrouvent des animaux, c'est pas possible ça. Je vois canner. Ça a l'air trop bien. Oui, bonjour. C'est trop drôle. Ça a l'air incroyable. Trop contente. Donc voilà. Donc dans cette commande, j'en ai deux que je vais sans doute revendre parce que j'ai pas le début de la série, donc c'est Blue Sky Complex et Ten Dance. Mais en tout cas, j'en ai plein qui m'intéressent. Celui-là, ça a l'air incroyable. Magnifique. Le truc des voyages. Oh, je fais que me griffer. Le truc des voyages, ça a l'air trop bien. Donc j'adore. I just wanna be a dog. Love me, love my dog. Hein. Vraiment, ça s'appelle Love me, love my dog. C'est comme ça. Je vais rebaptiser la chaîne. La chaîne va s'appeler Love Me, Love My Dog. Vraiment, je pense que oui. Hystérique mais à croquer. Moi aussi. Peut-être que je vais rebaptiser la chaîne comme ça aussi. Hystérique mais à croquer. Le rossignol rêve de printemps aussi. C'est le truc où ils se battent. Ça a l'air incroyable. Et Itorihime, dites-moi si je peux lire la saga. Ou si je ne peux pas. Ou si je vais rien comprendre. Mais en tout cas... très bon petit paquet là, très bon petit pactole ici que nous avons ici présent et donc nous avons envie de lire des mangas, oui. donc voilà, à plus tard dans le car. Thank you.
Ok, c'est le retour du clip dans le dodo. Coucou, je m'apprête à aller dormir. Il est 21h, même pas 21h encore. Il est même pas 21h, purée. Je suis crevée. J'ai dormi toute la journée et je suis encore crevée. Oui. J'ai dormi tout hier, toute la nuit. Après, j'ai refait une sieste jusqu'à 15h. Et là, il est même pas 21h et j'ai envie de dormir. Mais c'est normal, c'est parce que j'ai vécu un traumatisme physique et mental en sortant de ma grotte et donc envie de dormir. Mais donc j'ai fait mes commandes de marque-page. J'ai tout emballé mes commandes de marque-page. Donc si vous voulez commander mon petit marque-page de Noël sur ma boutique, il y en a encore plein qui sont dispo. Et avec, vous avez un petit sticker gratuit qui est sur ma gourde. Ma petite gougoude. Voilà, un petit sticker de Achille. De Achillus débilus. Et donc voilà, je les ai tous emballés. N'hésitez pas, j'ai vu qu'il y avait quelques-uns d'entre vous qui avaient pris d'autres marque-pages. Donc n'hésitez pas à regarder un peu sur ma boutique ce qu'il y a. Parce que j'ai encore des marque-pages d'automne. Et j'ai encore du stock pour tous mes autres marque-pages. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à tout mettre dans la même commande. Comme ça, je vous mettrai dans la même enveloppe. Et voilà, donc j'ai fait toutes mes petites enveloppes. J'en avais 20 à faire. Donc c'est fait et je les poste demain. Et demain, alors, j'ai deux rendez-vous. J'ai un rendez-vous chez le médecin et un rendez-vous, je sais même plus où, je sais pas. Je sais pas ce qu'elle fait cette dame là, mais bref, j'ai un autre rendez-vous rapport avec mon entreprise, mon auto-entreprise et tout ça. J'y vais avec mon papa, hâte d'aller chez le médecin et qu'il me dise « Ah, on ne peut rien faire comme d'habitude. » Vraiment, c'est super d'avoir des maladies mentales et d'aller chez le médecin. À chaque fois, c'est un plaisir, à chaque fois. Bref, mais donc demain j'ai ça et je peux difficilement vous filmer ces rendez-vous très très intéressants. Voilà, donc il n'y aura pas ça dans le contenu. Mais en fait, j'ai téléphoné à Mika et on a dit qu'on se lirait nos chapitres demain du livre d'Éric Aboyer. Donc je pense qu'on fera ça demain. Sur ce, je vais faire dodo. Mettez un petit emoji. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai mangé du chocolat Lidl de mon calendrier de l'Avent Lidl qui est incroyable. Donc mettez l'emoji tablette de chocolat si vous aussi vous aimez le chocolat Lidl. Et du coup à demain, pas dans le train heureusement, mais à demain pour des rendez-vous. À demain chez le médecin par contre. Et donc c'est pas trop bien. Envie d'y aller, mais bref, à demain chez le médecin, des bisous et de toute façon vous revoyez ma tête très très bientôt.